Et bien, je crois hors du Valhalla. Alors arrêtons d'utiliser la ruse. On mélange le thé. Ajouter dans l'assiette. Ah oui, on était revenu. On venait de finir notre rencontre avec le démon Golbak qui pue des pieds. Compagnie, vous cherchez des bonnes affaires? Les meilleurs produits pour le meilleur prix? J'ai que de la qualité, jamais de déchets. Ah non, tu vends que de la merde, toi. Il a une tête d'escroc. Moi, j'ai pas d'or et j'ai besoin de rien. Ah, mais taisez-vous un peu. Personne ne vous a demandé votre avis. Va mourir, rempailleur de chaises. Dites, on dirait que vous avez des petits problèmes d'autorité. Non, mais c'est compliqué. Je vous comprends. Du coup, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Un truc spécial. Ça vous dirait d'avoir la compétence absolue? La quoi? La Alors, compétence absolue. C'est un sort très ancien qui m'a été confié par un sorcier elfique mourant un soir de tempête. Avec ça, plus de problème d'autorité. Ça, c'est Bob Lennon. La magie, c'est pas vraiment mon truc. On dirait Blackstar. Blackstar imite Bob Lennon depuis des années. Ça fait des années que je trimballe ce truc. J'attendais de trouver quelqu'un de vraiment digne. Et vous, vous êtes spécial. Ouais, c'est sûr, je ne suis pas un ranger comme un autre. Mais ça fait quoi, la compétence absolue? Ben, tout. Charisme, force, agilité, sagesse, guérison des furoncles, retour de l'être aimé et résistance aux boules de feu. Ah oui, tout de même. Et c'est sûr, votre truc? Je vais pas avoir des pétunias qui poussent sur les arpions. Hé, hey, c'est de la magie elfique, vieux. Les elfes en magie, c'est béton. Personne ne leur arrive à la jupe. Garantie, sans effet secondaire. Je sais pas trop si j'ai des moyens. Écoutez, vous m'êtes vraiment sympathique. La potion, je vous la donne. Je vous facture juste la bouteille, hein. Parce que bon, c'est pas donné des boutanches à potion magique. Mais je vous la fais après goûtant. Allez, d'accord. Vous êtes vraiment un ami, vous. Topé là. Bon, c'est pas tout ça, mais je dois aller visiter ma vieille grand-mère malade. Bonne chance avec vos boulets. Avec la Quoi compétence absolue, vous allez dépoter des boulets. Ne peux pas partir, il est en train de te voler. Enfin, il est en train de me voler. Hé hey C'est ça, au revoir. Et encore merci, hein. Bon, on bouge. Aventurier de mes deux haches de jet. C'est vrai qu'on se demande pourquoi on poireaute ici depuis trois plombes. Vous allez voir ce que vous allez voir. La mixture a vraiment un goût de résidu de fond de poubelle. Je ne me sens pas vraiment plus compétent. Ça va? T'es tout vert d'un coup. On dirait des mouches. Ah ouais, il a une gueule de salade avariée. Taisez-vous maintenant. J'ai désormais la... compétence absolue. Oh là là, ça va pas bien. Hé, hey, mais c'est toi qui pue comme ça? Ça doit être cette potion. C'est censé être de la magie des elfes. La magie des elfes, ça n'a pas l'odeur de 800 œufs pourris dans du fromage avarié. Elle a raison. C'est vraiment épouvantable. Et puis c'est tellement soudain. Ça ressemble à un effet secondaire magique. On dirait que tu as chopé la maldorantose. Hein? La quoi? Tu veux dire que ce truc a un nom? Ben oui. La maldorantose est une maladie mystique causée par Nurgle, le dieu de la pestilence et des maladies. Elle est très rare, en vérité. Mais ses effets sont dévastateurs. Alors que Chrome, ça fait sentir des pieds, c'est mieux. Et que va devenir mon charisme et mon autorité? Il faut retrouver ce marchand pour avoir un antidote. Et sinon, tu vas rester comme ça. Faut surtout trouver des pinces pour se boucher le nez. Misère. Je crois que je vais m'évanouir. 25 pièces d'or? Mais tu plaisantes? Allez, oh. Pas pareil.
Bouge, j'en ai pris une. Ça va pas bien. Et là, t'approches pas, Loctu. Tiens, cette odeur ressemble à celle du Ranger. J'ai la compétence absolue. Je vais bientôt être maître du monde. Laissez-moi deviner. Un marchand vous a vendu une potion de magie elfique. Oui, il disait que j'étais spécial et que je lui étais sympathique, mais il m'a vendu juste la bouteille. La potion, c'était cadeau. Oh là là, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé pour moi. Il y a dû y avoir un malentendu. Ouais. Et il est passé il y a longtemps? Non, je l'ai vu partir par l'ascenseur. Je lui aurais bien couru après, mais je me sens vraiment pas bien. Alors que nous, on a l'habitude avec les pieds. La taverne de Naelbak est très connue dans toute la terre de Fang. L'ours à la bière est notre spécialité. Comme par hasard à la cave. Et c'est pas un marchand louche à part ça. Je vais lui casser ses genoux à lui. Un truc, il va pas savoir où se mettre après. Un bon petit thé. Et là, hasard comme par hasard, en plus il est là où on joue au poker. Ouais. De moins en moins louche, le monsieur. Ça va mieux, toi? J'ai pas vu ça. Encore se reposer un peu. On ira botter le derrière du mal plus tard. Vince qui est fatigué. C'est quoi ça? Je me balade avec une main devant les yeux, c'est pas possible. Comment j'ai pu looter un truc pareil? Ah, il est là, il en est. Saligo. Ah, vous êtes là, Saligo. Pardon, mais on se connaît? C'est vous qui m'avez refilé la potion de compétence absolue pour une blinde, espèce d'escroc! Oula, mais je suis connu comme un honnête marchand, moi! Je suis pas un malfaisant! Faudrait pas me ternir ma réputation! Et puis, vous avez dû manger un poisson pas frais! On va te ternir les miches à coup de pelle, plutôt! Un marchand honnête, c'est impossible! Ah, je vois ce que c'est! Vous réagissez mal à la magie des elfes, c'est tout! Il y avait une chance sur un million, c'est pas de bol! La magie ça arrive deux fois, quand même! Je ne produis pas ces odeurs, vous dites n'importe quoi! Et qu'est-ce que vous en savez, d'abord? Bah, je suis une elfe! Et alors? Vous croyez qu'une vache, ça connaît le goût d'un steak? N'importe quoi. Allez, donnez-lui un antidote. Oula, comme vous y allez. Donnez. Si je commence à donner des trucs, je mets la clé sous la porte en 10 minutes, moi. Non. Par contre, j'ai des potions d'antidote à vendre. Tout ce qu'il voudra, j'en ai plein le dos. On va rien payer du tout. On prendra l'antidote sur son cadavre. Donne la potion ou je te tranche la gorge. Et je t'achève un coup de boule de feu. Et moi, je tire une flèche. Non mais attendez, on va se détendre, hein. Bon, vous m'êtes sympathique. Je vais vous offrir un échantillon gratuit de potions d'antidote. Mais pensez à ma famille. Ma vieille grand-mère n'a que moi. Voulez-vous boire maintenant l'étrange potion que Gisbert vous a donnée? Que cet enfer cesse. Ouf, tant pis pour la compétence suprême. Ah, ça va mieux. Et voilà une bonne leçon. La magie, ça s'apprend. Oui, il ne faut pas boire des choses qui ont le goût de poubelle. Il faut pas donner de l'or au premier escroc qui passe. Et surtout, ne pas laisser la vanité gouverner ta vie. Marrant, ça m'a rendu sourd cette potion, j'entends rien. Bon, allons-y. Ah, je vais aller voir si si ça a bougé. Après on descendra au moins deux, je voudrais voir ce qu'il y a là-bas. Ta 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 la la.
Tocolo. À aucun moment ça, ça représente quoi que ce soit en fait. C'est ça le... J'essaie de trouver. Hein. Cercueil. Je me demande où ça va l'emmener. Ah. Ah non, si l'ogre s'y met. On va se la tout pam pam. Si j'en crois mon dictionnaire troll, il dit qu'il veut manger l'elfe. Est-ce qu'il veut des pommes? Bonne idée. Mais ça va pas la tête. Il faut savoir se sacrifier parfois. Flagvik. On doit pouvoir lui donner autre chose. On peut aussi s'en aller, on n'a pas que ça à faire. Ah, merci. Ah, il parle notre langue, tu t'es bien foutu de nous. Les cris, c'est pour effrayer les touristes. Bon, et alors? On gagne quoi en échange de ta croûte? Je vais vous donner quelques informations. Vous êtes un genre de guide touristique? Quel genre d'informations? Je vous conseille d'éviter les maraudeurs. Ils sont parfois dangereux avec les gens inexpérimentés ou mal armés. Comment ils nous causent, le gros tas? Les conseils de survie ne sont jamais inutiles dans des oreilles avisées. De toute façon, ils se cachent le plus souvent derrière leurs portes blindées et elles ne s'ouvrent qu'avec un de leurs médaillons magiques. A priori, aucun risque que vous tombiez sur eux par hasard. Si on les croise, on leur pourrira la face. Une porte à verrou enchantée, c'est intéressant. Et faites attention aussi aux araignées géantes. Leur population est totalement hors de contrôle, surtout depuis que je suis attaché ici. Elles ont fait des nids partout dans le coin. Bon, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Merci. Je vous conseille d'éviter les maraudeurs. Comment ils nous causent? Les conseils de survie, si on les croise. Et faites attention. Bon, on va voir ce qu'on... Ok. C'est quoi cette histoire d'araignée géant? S'il vous plaît, et de maraudeur. J'ai besoin d'aide. Je vous en prie, mon mari a été enlevé, il faut m'aider à le retrouver. Il est percepteur à la coopérative. Une histoire d'amour contrariée, il faut l'aider. Pas du tout, voyons. C'est un gros imbécile alcoolique qui dilapide ma dot. Mais alors, du coup, pourquoi vouloir le libérer? Il doit signer les papiers du divorce. Je veux récupérer mon argent. Le divorce? Quelle belle invention pour préserver le patrimoine et la liberté des honnêtes gens. Ils ont l'air un peu débiles, mais bon, je n'ai pas trop le choix. Si vous le retrouvez, je vous donnerai une bonne récompense. Ah, si c'est une question d'oseille, déjà, ça nous parle plus. Ils sont où, ces maraudeurs? Je lui courais après pour qu'il signe, et les maraudeurs ont surgi. Ils l'ont emmené et sont partis par cette porte. Mais il doit y avoir un genre de code, j'ai pas réussi à entrer. Et quoi, médaillon ? Porte verrouillée. C'est le drame d'une civilisation bourgeoise. Surtout quand le voleur du groupe est pas foutu d'aider sur cette question. Bon, on va enquêter et voir ce qu'on peut faire. Merci, vous n'aurez pas affaire à une ingrate. Bon voilà, c'est une porte. Fermée. Il y a une forme étrange sur la serrure. Je pense que la clé doit être d'un modèle très particulier. Comme quoi? Je ne sais pas. Je ne suis pas cambrioleur. C'est un médaillon. Le troll nous l'a dit.
une forme étrange sur la serrure. Je pense que la... Vous êtes devenu con ou vous le faites exprès? Putain, des rats. Ah ouais? Comme ça. Alors, on en a un, deux... La clé, c'est un nain. Avec un médaillon. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il me faut au moins un tank ici. C'est bon, j'ai pas joué pendant 6 heures, du coup je sais plus jouer. Basta! Pourquoi j'ai pas fait le plus double? Ils sont solides, ces petits rats. C'est du costaud. Oh bah, gentil rat. Pas bouger. Lapin, lapin, lapin. Une petite sylphe de snap, ça. Un petit coup de bâton avec une boule de feu. On fait pas chier les princesses. Ouais, tout est. Attention, les rats, ça mange les livres. Ouais. T'es pas censé pouvoir bouger, toi. Tu bouges plus, je t'ai dit. T'arrêtes maintenant, hein. J'en ai trop marre, c'est vraiment discipliné.
Je vais te tuer. Et Chrome rira de toi. Oh. Et paf, dégage. Ça fait des chocs à pique. Les petites gifs d'un labzar avec 100% de... Ça devrait marcher. Ouh, le combo! Beau gosse! T'approches pas trop près. C'est pour vous aider, maître Anna. Backstab. La mort frappe sans bruit. Papapalapin. J'ai dû louper ce combat plutôt parce qu'il est pas très. La santé de Chrome. Enfin, il est pas très. Du coup, les maraudeurs, ça serait des nains. Possible. En marchant dans les entrailles, que Bacchael monte à l'assaut. Médaillon sur ce corps. En tout cas, vu ses habits, ça devait être un maraudeur. Mais il a maraudé trop près des araignées. Cet objet pourrait nous mener aux autres maraudeurs. En fait, sont où les araignées, là ? La différence entre un maraudeur et un ranger. Bah, le maraudeur, il maraude, et le ranger... Les ranges. Les poules. T'es obligé. Défends. Et là, attention à ta tendinite, vieux. Que je suis en train de faire une connerie. Je l'ai senti venir. Donc elle est à niveau 5. 5. 5. 5, 5, 5. En niveau 5, je devrais pouvoir gérer... S'il n'y en a pas plus qui viennent. Lui là et lui là parce qu'en fait le troll a beaucoup moins de déplacement du coup si le barbare arrive à tuer les araignées en premier il pourrait se libérer pour aider l'autre lui il pose un piège là pour la tuer. Ah merde c'est la deuxième qui bouge. Ah, elle bouge tout avant de voler. Ouais, bon allez. Enfin, comme si c'était une bonne idée.
À bout portant 88% de touche. Ah oui, ça c'était le jeu. Pas censé taper dessus. D'accord. Je sens une odeur de plèbe s'approcher. Parle de lèbe, quand même. La seule à faire des vrais trucs, quoi. Bon, une fois dans le combat, mais... Elle a pas foncé sur l'œuf. D'accord. Pas con. Ça court vite. Ta gueule. Ça en fera une de moi, mais c'est pas vraiment. C'est pas vraiment l'enthousiasme. Le lapin tueur, meilleur ami de la sorcière.
Tiens, des bisous. Je peux pas bouger, du coup ils veulent faire ce quoi avec le prochain action. Un jour, tu rencontreras Chrome et tu devras lui expliquer la technique que tu as ratée avec ton épée à bout portant. Quarante-quatre. On peut encore y aller la veille. Vous pouvez bouger. C'est vraiment un débile. Que s'est-il passé? D'accord, les toiles d'araignée ont disparu. Allons-y. Salut. Salut. Ta 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 ta. Non. L'intérêt de healer tout le monde est proche de zéro là. En plus, je suis dans un endroit, je sais même pas pourquoi je suis là donc. T'as vraiment l'impression de faire un truc, tu sais pas pourquoi, mais. Donc, peut-être parce que je sais pas pourquoi. Ah si, il y avait la tête du troll, donc j'ai pensé que c'était un bonus. Visiblement, c'était le nid de l'araignée. Genre là, tu le sens ou pas qu'il y aura un boss araignée? Non, parce que moi, je le sens, là. A l'air d'avoir piège. Et bon, il y a des gros œufs. Je n'y vois rien. Faire la carte dans une cape, c'est pas évident. Ah oui! Ah, c'est là où on va se faire attaquer. Avec un peu de chance, il y a quelque chose de magique là-dedans. Des bombes araignées. Une grande cuissante de runes. Endurance ou énergie astra.
Ça devait être si on prenait quelqu'un d'autre. Énergie astrale. Le nain. Ma cache. 2 et 10 points de vie. On prend ça. J'ai assez de points de vie. Recourir à la princesse Disney un peu. La 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 la. Alors tout à l'heure vous faisiez comme si vous ne saviez pas ce que vous deviez faire. Avec le médaillon. Trop bien. En plus, maintenant, il était gratuit. On va pouvoir s'abattre du maraudeur. Ouais, ou l'inverse, après. Quoi? Ah. Ouais, je vois le joueur. On est rentré chez vous, vous êtes vexé, bon, voilà. Est-ce qu'on doit vraiment rester fâché pour ça? Parce que techniquement, on ne joue que 5. Alors autant, vous me faites un peu peur, autant vous êtes que 5. Et ça, ça pue la merde. C'est en bas. Que les barbares montent à l'assaut. Et par le fer des haches. Oh, il y en avait un là. Expert en gadget. À moi, morpion. Tu te bagues des morpions? Tuez donc cet imbécile. Donc là, ils vont tous foncer sur le nom. Enfin, si lui, il passe le tour. L'ennemi est sorti. Ouais. Et du coup, tu veux qu'on en parle ou pas? Aïe. Viens voir ma lame. On me voit? Au revoir. Numérotez vos dents, ça vous aidera pour après. Joli coup, petite pute. Moi, pas content. Allez, à moi. Merde, c'est vrai qu'il perd ça. Tuez donc cet imbécile. Aïe, les nains n'ont jamais mal. On a le droit de faire ça. Ah oui. Là, vous la sortez la gifle ou pas? Oh putain.
Pas grave, ça m'empêchera pas de faire une vie. Pas une gifle, un tourbillon de waffa. Encore dit à l'envers ou quoi? Louer sa lame, c'est louer son âme. Lui il est 5, lui il est 6. Lui est 6 mais presque mort. Toi tu vas rester là où t'es. Est-ce que t'es bien où t'es? Ah ouais. T'as droit de la résistance physique toi. On les empailles. Les barbares sont là. L'assaut. À moi, vermine. Pourquoi c'est le seul qui est pas équipé? Oh, le healer! Ça tombe bien. J'aurais pas à te chercher. C'est mon tour. C'est mon tour. Hop, esquivez. Mes mâches où je veux. Voilà, j'ai besoin de personne. Tu n'iras plus bien. Tout est sous contrôle. Quoi? Non, pas le ranger hein. Il était si beau. Avec les petites barbiches. Ah oui, la barbiche.